À la une de l'actualité également, ce matin, la visite hier à l'île de Corinne Lepage, candidate écologiste à la présidentielle, mais pas sous la bannière du Parti écolo Europe Écologie Les Verts. La députée européenne s'est rendue à Pocheco hier à l'occasion du lancement de la branche Conseil de la société. Pocheco est, selon elle, une bonne illustration, un symbole de ce qu'elle veut développer pour la France. 150 employeurs de tous bords étaient présents hier lors de cette visite pour rencontrer celle qui se présente comme la véritable candidate de l'écologie du 21e siècle. En opposition, selon elle, à Eva Joly et Auvert qui mène, je cite, une campagne d'extrême gauche pour un programme et une écologie du XXe siècle. On écoute Corinne Lepage sur la réussite de Pocheco au micro de Tanguy Lécluse. Je suis heureuse de voir qu'un chef d'entreprise met en œuvre ce que j'ai proposé. Évidemment, vous savez, beaucoup de politiques sont dans la parole et ils y restent. Moi, je suis dans les actes. Je suis dans les actes au niveau qui est le mien. Que ce soit celui d'avocate ou celui de député. Là, nous avons un chef d'entreprise qui est dans les actes parce qu'il a traduit dans la réalité ce que j'ai écrit dans Vivre Autrement.